aujourd'hui, nous allons nous intéresser essentiellement sur une question importante qui intéresse bien entendu les étudiants, les finalistes, ceux qui viennent de finir, ceux qui viennent d'être largués sur les marchés de l'emploi, ceux qui ont passé plusieurs années à l'université ou dans les écoles supérieures, dans les instituts supérieurs, pour embrasser une autre vie, une autre carrière ou la carrière professionnelle. Et il s'agit aujourd'hui de la conception et la matérialisation de projets. Plusieurs ont des projets, plusieurs ont conçu des projets. Est-ce que ces projets ont-ils respecté les étapes pour passer à la matérialisation? Il y a encore des lacunes dans le chef de certaines personnes. On peut le sentir et peut-être en ce moment, vous pouvez vous identifier, vous reconnaître. Et aujourd'hui, à travers cette rubrique, nous allons vous permettre d'avoir quelques pistes de solutions et quelques brèches qui vont vous permettre de bien, n'est-ce pas, revoir les choses. Avec Monsieur Israël Kayembe, qui est à la fois coach, conférencier, motivateur et serviteur des dieux, au-delà de tout. Voilà, bienvenue encore une fois. Merci. Voilà, pour la première question. Je ne sais pas si vous avez d'autres détails à donner sur vous. Non, ça suffit. C'est déjà bon, c'est déjà suffisant. La casquette, c'est celle des serviteurs des dieux. D'accord, okay. D'accord. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler projet? D'abord, avant de parler d'un projet, d'où vient un projet? En fait, un projet vient de l'idée que la personne a de ce qu'elle veut faire. La plus grande source d'un projet, c'est la passion de la personne. Souvent, les gens confondent. Les gens entreprennent certaines choses parce qu'ils ont vu certaines personnes faire. Mmh. Mais le point de force de chaque personne se retrouve dans sa passion. Oui. Lorsqu'on veut bâtir un projet, on doit le tirer dans sa passion. C'est comme sa zone de force. Quand vous essayez de faire quelque chose qui n'est pas à la portée de votre zone de force, vous allez vous retrouver frustré parce que vous n'avez pas l'habilité. À moins d'avoir la capacité d'associer quelqu'un, mais vous ne serez pas maître de la chose. Mmh. Un projet, dans son sens synonyme, signifie une idée, une pensée qu'on est en train de poursuivre. Alors le projet tire sa force de la maternité, de la passion. Très bien. Alors quand vous parlez de la passion, est-ce que c'est de cette façon-là que nous voyons des gens? Par exemple, je vais prendre le nom, Brigitte qui voit Élise exercer un commerce de vente d'habits par exemple. Oui. Elle va à Dubaï, elle rentre, elle vend le bijou, elle vend des chaussures et ainsi de suite. Après, pour elle, ça marche. Elle aussi se dit, mais moi aussi, je peux faire. Et elle essaie de faire la même chose. Elle peut-être va à Kinshasa, elle achète des habits, elle vient, elle vend et ça ne marche pas. C'est ça au fait. En fait, il y a beaucoup de gens qui initient des choses par imitation et non par innovation. C'est une faute. C'est très grave. Parce que quand on parle de projet,